Les rebelles, le journal de la jeune fille moderne. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de lire ce genre de revue, Émilie? Oh, mais c'est pas ça! C'est un reportage sur l'élection d'une Miss Village. Ça a l'air génial. On pourrait faire pareil. En plus, je suis sûre d'être élue puisque je suis la plus belle. Et la plus modeste aussi. Allez, dis oui, papa! Je te promets d'être super sage. Au fond, pourquoi pas? Ça mettrait de l'animation au village. C'est d'accord, ma chérie. Oh, merci, papa. Tu verras, tu seras fière de moi quand je serai Miss Village. Attends d'être élue, tout de même. Je vois pas qui pourrait me battre. Oh, vous avez vu ça? Génial! Un concours de Miss. Eh, on s'inscrit? Vraiment, vous voulez vous inscrire? Ce genre de concours, c'est pas franchement... Franchement quoi? Ben, c'est le genre de concours où la plus jolie gagne et pas forcément la plus sympa ou la plus intelligente. Ah, oui, bien sûr, t'as raison, c'est un peu stupide. Ben, moi, je trouve que ça pourrait être rigolo. Et puis, sourire bêtement sur un podium, c'est pas mon truc. On est bien mieux entre copines, non? Oh, oui, t'as raison. Alors, les filles, qui va être élue Miss Potiche? Pas nous, en tout cas. Sourire bêtement sur un podium, c'est pas notre truc. On est au-dessus de ça. Moi, il faudrait me payer pour participer à un truc pareil. Heureusement, je suis pas une fille. Tiens, c'est vrai, ça. Pourquoi c'est toujours les filles qui doivent se ridiculiser devant tout le monde? Parce qu'on est bien plus intelligents. C'est scientifique. Ce que tu viens de dire prouve exactement le contraire, Rico. Un concours mixte? Mais c'est une très bonne idée, ça. L'égalité filles-garçons serait respectée. Qu'est-ce que vous en dites, les garçons? Moi d'abord! Moi! T'as aucune chance! Le beau gosse, c'est moi! Les filles préfèrent les blonds! N'importe quoi! Votez pour moi! Votez pour moi! Votez pour moi! Si tu gagnes, je pourrais être ta dauphine, Émilie! Ma dauphine? Mais tu sais même pas nager! Ah oui, c'est vrai! Votez pour moi! Non, merci. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais, tu ne participes pas. C'est moi la plus belle, alors t'as peur de perdre. Pas du tout, c'est bien d'être belle. Mais moi je préfère être sympa. Désolée, mais on n'a jamais vu d'élection de Miss Sympa. Ah non, je sais. Pour toi, il faudrait inventer l'élection de Miss Pimbèche. Là, tu serais sûre de gagner. Vous parlez de quoi? Oh, de rien. Moi, je te dis que c'est moi. Non, moi. À votre avis, les filles, c'est qui le plus beau, lui ou moi? Qui a dit que c'était les filles qui ne pensaient qu'à leur apparence? À demain, les filles. Écoute, si c'est notre ami, il respectera notre choix. Bonjour, Martine. Tout va bien? Bonjour, tante Mathilde. Oui, ça va. C'est juste que depuis l'annonce du concours de Miss, toute l'école est devenue un vrai défilé de mode. Claire, Julie et moi, on est les seules à ne pas se présenter. Ah bon? Mais pourquoi? Ça peut être amusant. Bah, ta mère a raison. Nous-mêmes, il y a des années, nous avons participé à un concours comme celui-ci. Oh, tu te rappelles? Oh, qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Quoi? Vous aussi, vous avez participé à une élection de Miss? Bien sûr. Et tu as été élue?
D'une voix devant ta tante Mathilde. Oh oui, celle de Thomas qui en pinçait déjà pour toi à l'époque. N'empêche, moi je trouve ça nul comme élection. Je préfère rester avec mes copines. Merci petite sœur. Grâce à toi, l'élection de Miss Village est ouverte aux garçons. Avec un peu de chance, c'est moi qui deviendrai Mister Village. Ah non, pas toi. Si, moi. Et tes copines aussi, Claire et Julie. Claire et Julie? Alors là, ça m'étonnerait. Pourtant, je viens de les voir écrire leur nom sur la fiche de la mairie il n'y a pas 10 minutes. Hein? Écoute, Martine, on va t'expliquer. C'est juste pour s'amuser. Je croyais que vous trouviez ça ridicule. Oui, enfin, non. Enfin, tu trouvais ça ridicule. Claire n'a juste pas osé te contredire. Allez, ça peut être marrant. Et puis, il faut nous comprendre, on n'est jamais les vedettes, nous. C'est toujours toi. Moi? La vedette? Ben oui, tout le monde veut te ressembler, te copier. Tiens, je suis sûre que si on faisait un feuilleton sur nos aventures, il s'appellerait Martine. Et pas Martine, Claire et Julie. Bah, n'importe quoi. Oh, puis c'est pas si grave. Tiens, tu sais quoi? Tu n'as qu'à te présenter avec nous. Comme ça, on restera ensemble. C'est ce que tu voulais, non? Oui, enfin, c'est... Seulement, je... Je vois, c'est pas assez bien pour toi comme concours. Quoi? Mais non, je n'ai pas dit ça. Allez, viens, Claire. Nous, on a une élection à préparer. C'est peut-être nul, mais au moins, on va bien rigoler. Tu y es allée un peu fort, quand même. Bon, d'accord. Je vais me présenter aussi. Quoi? Tu te... Mais tu disais que... Je n'avais pas compris que c'était aussi important pour vous. Et puis, vous avez raison. Le plus important, c'est de rester ensemble. C'est génial, Martine. Ah, excuse-moi si j'ai été un peu dure. Il paraît que tu te présentes finalement. Oui, et j'ai même pensé qu'on pourrait un peu changer les règles. Eh oh, eh oh. Écoutez-moi, pour l'élection, j'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour faire un discours sur l'amitié et la gentillesse. Comme ça, ce serait bien plus qu'un simple concours de beauté. Qu'est-ce qu'elle a contre les concours de beauté? Oh là là, quelle rabat-joie! N'importe quoi! Et pourquoi pas un concours de gentillesse pendant qu'on y est? T'as encore perdu une bonne occasion de te taire! Quelque chose. J'ai compris qu'on n'avait pas le droit d'imposer ses goûts aux autres et que tout le monde avait le droit de s'amuser comme il voulait. Sauf que là, moi, ça m'amuse pas trop d'être sur ce podium. Alors voilà, je vous annonce que je quitte le concours. Hein? Mais je souhaite bonne chance aux autres candidats. Voilà. Et puis, excusez-moi si j'ai un peu gâché la fête. Mais comment t'as eu l'idée d'un numéro pareil? C'était génial! Hein? Bah oui, tout le monde y a cru! C'est sûr que tu gagnes! Mais enfin, c'était pas un numéro? C'est vraiment ce que je pense? Évidemment, c'est encore elle qui va gagner! Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Chers amis, nous allons maintenant procéder au dépouillement du scrutin. Je parie que c'est toi qui vas gagner. Attends, papa,
Il te faut une assistante. Quoi? Je me sens mal. Je me sens mal. Attention, laissez-la respirer. Sophie, ça va? Vite, une civière. Vite, une civière. Non, ça va mieux. Oh, bon, nous pouvons retourner au scrutin. Émilie. Émilie. Et enfin, Émilie. La gagnante est donc Émilie avec 100% des voix. J'ai gagné! T'as voté pour Émilie, toi? Bien sûr que non. Alors comment elle peut avoir 100% des voix? Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Miss Village. Bravo! Bravo! Vive Miss Village! J'ai gagné! Oui! J'ai gagné! C'est moi la plus belle! Hé! Ce sont les vrais bulletins! Et ils sont tous à ton nom, Martine! Ah non, là, il y en a un à Claire! Émilie? Oh bah ça alors! Mais qui a bien pu mettre ces bulletins dans mon sac? Nous réglerons ça plus tard, Émilie. Martine, te voilà désormais Miss Village. Tu peux demander tout ce que tu veux. Vraiment? Tout ce que je veux? Oui, presque. J'y crois pas. Elle a déjà la grosse tête. En tant que Miss, j'aimerais donc que mon titre soit décerné à tout le village. Car ce qui compte le plus, c'est de bien vivre ensemble, sans se juger, ni être en concurrence. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris. Sacré Martine. On la changera pas. Mais ça ne marchera jamais. La couronne n'est pas assez grande pour tout le monde.